Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, tout va très bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer le risque orageux attendu ce soir. Alors cette météo-là, on va pas du tout s'intéresser à celle-là parce que celle-là, je ne la suis jamais. Elle change toutes les secondes, donc je passe comme ça, mais je la suis pas du tout. Alors on va regarder un peu Météo France parce que il y a une dégradation orageuse qui va se mettre en place avec un pilotage d'altitude, donc avec la chaleur et l'humidité en basse couche. Elle va. Le froid en altitude de la dépression qui se situe sur les îles Britanniques actuellement, ça va faire un conflit de masse d'air, ce qui va créer une dégradation pluvio-orageuse dans la soirée et la nuit suivante sur le sud-ouest qui va s'étendre jusqu'à la frontière allemande. Donc le sud-ouest sera le plus concerné. Donc c'est à suivre. Alors, je vous ai dit. Ce qui va créer les orages, mais attends, je vais vous montrer ce qu'ils annoncent. Alors, Météo France, ils annoncent même un risque de grêle de 21 h à 23 h, avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Je vais regarder jusqu'à quand on est en jaune orage. Alors. Hop. Oh, pourquoi ils me mettent le Gers? Alors, la Haute-Garonne. Et la Haute-Garonne, elle est en urgence jaune orage de 20 h jusqu'à 2 h, voire 3 h du matin. Ce qui est quand même une bonne petite période. Donc, c'est pas impossible encore qu'on ait des orages après minuit. Et je regardais aussi cette météo là. Donc, je sais pas pour toi, Alain, mais moi je la regarde très très souvent celle-là. Pour moi, c'est la meilleure météo de Toulouse. Enfin, c'est celle qui est le plus précis. Alors oui, on a atteint les 35 degrés. Restant variable, cet après-midi avant une évolution orageuse possible en cours de soirée et nuit suivante, encore très très chaud. Ouais, ça va bien baisser cette nuit. On va pouvoir respirer un peu parce que la nuit dernière, c'était... ouais, mais il le marque, hein, de 23 degrés. C'était limite irrespirable. Donc c'était une nuit tropicale, ça n'a pas dépassé les 20 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer Curanos, voir ce qu'il nous dit. J'en profiterai pour regarder aussi un peu les orages. Alors, Curanos, il était plus haut. Il est là. Alors, Curanos. Ah, risque d'orage fort. Ah oui, nous on le voit bien. De toute façon, je vais vous mettre les communes. On est là. On est dans l'orange. Alors, Morabe, c'est dans l'orange. Mais on n'est pas vraiment pas très loin du jaune. Donc, c'est à suivre. Donc, on a eu deux éclairs là. Et là, il y a un éclair aussi ici. Il faudrait que je regarde. Ah ouf, punaise. Punaise. Regardez-moi le nombre de tornades qu'il y a sur cette base. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punaise. C'est énorme, hein. Bon, enfin bref, hop, on va regarder Blizzardtung. On va voir ce qu'ils nous disent. Enfin, où en est les orages. Parce que la dégradation orageuse est en train de se mettre en place normalement. Ah ouais. On la voit pour le moment, elle est ici. Bon, elle n'est pas très active pour le moment, c'est normal. Elle devrait s'activer d'ici 2 h. Donc à suivre. Prochain point météo d'ici 21 h peut-être. Si ça change, si ça change pas, ça sert à rien que je vous en refasse. Je vous montrerai peut-être les orages sur Blizzardtung. Et après, j'espère filmer un orage. Allez, à plus.